on t'amène un bon choix, soit. On comprend. All right. Exact. Ok. Yalla. Cool. Ah, ok. On s'est demandé. Ouais. Dans le fond, si tu es capable de répéter la question en répondant. Pas de problème, ouais. Ok. Est-ce que ça t'arrive de te mélanger entre un personnage de théâtre? Le personnage de scène, puis Mehdi en tant que tel, ou est-ce que c'est toute la même personne? Est-ce que ça mélange, m'arrive de mélanger deux personnages? Non, ben, y a toujours un aspect de jeu, mais en fait, ce que je fais, c'est très peu basé sur des personnages, donc comment on chante, tu sais. C'est vraiment des... C'est vraiment juste des variations de... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je parle pas tant du point de vue d'un personnage, mais c'est vrai que ça arrive un peu tout seul que... Mais justement, l'espèce de personnage qui ressort, tu sais. Mais je pense que ça dépend du moment, tu sais. Tu vois ce que je veux dire, ça dépend de la toune. T'sais. Si c'est une toune plus extrovertie, si on veut, puis d'autres fois, ben, il faut un peu refermer le faisceau. Mais ça m'arrive pas de me confondre. J'ai pas vraiment de... Ben, j'ai pas de personnage de scène. C'est sûr que quand j'arrive sur scène, je joue, tu sais. Mais c'est comme dans un carré de sable, c'est pas tant comme une façade, tu sais. Même s'il y a toujours... C'est toujours faux sur scène. Comme sur scène, il n'y a pas de réalité, il y a juste... du réalisme, il y a l'illusion du réel plutôt que le réel comme tel, tu sais. Si fallait que tu goûtes ta musique, tu penses que ça goûterait quoi? Quelle excellente question. Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça goûterait quelque chose de doux et amer à la fois, comme du chocolat noir au poivre de Cayenne. J'avais une question par rapport à la créativité. Ouais. Est-ce que tu penses que être créatif, tu sais, je pense que t'es une personne assez créative. Ben non, je fais semblant. Fake it till you make it. Est-ce que tu penses que la créativité, c'est d'investir cœur et âme dans ce que tu fais ou c'est vraiment laisser libre cours à ton âme puis voir ce que ça va donner? Est-ce que c'est un investissement ou c'est un laisser-aller? Ah, bonne question. C'est comme un investissement dans le laisser-aller. Un spectacle, c'est toujours un acte de tension, tu sais. Il y a toujours une tension constante. Fait que c'est un abandon, mais qui est comme dans une certaine force. C'est toujours une force que tu maintiens pour maintenir un peu la, justement la tension qui fait un bon show, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a un laisser-aller qui arrive anyway, tu sais. Parce que, mais je sais pas à quel point c'est ma démarche que j'ai décidé intellectuellement. Ou, c'est juste que, tu sais, moi c'est ça qui m'arrive. Il y a quelque chose de mystique qui s'empare de toi, puis qui passe à travers toi. Puis je pense que tu apprends à justement sortir de ton propre chemin pour laisser passer cette énergie-là, plutôt que justement de surintellectualiser, tu sais. All right, guys. J'ai pas peur de me mouiller. Hey. J'aimerais te cacher ce que tu fais naître en moi. J'aimerais te souffrir, te porter comme une croix. Mais tu es beaucoup trop lourde et plus forte que moi. And when you're gone, all I got is this song. T'as une rivière dans les yeux qui danserait. Ça me dérange pas quand tu pleures. J'ai pas peur de me mouiller. Oh, oh, oh. Hey, and when you come, all I got is this.
song. And when you're gone, all I got is this song. Ça me dérange pas quand il pleut. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir laissé vous déranger. Bonne session d'études. Merci à vous de m'avoir laissé voir aussi. Voilà. And one slow clap. Voilà. Great. Sweet.